Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la pêche. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été à la pêche. On se retrouve aujourd'hui dans mon petit bateau de fortune. Tout va bien. J'ai mis mon petit appât, bien sûr. Voilà, fais voir si tout va bien. C'est bien accroché. On va poser la canne à pêche juste ici. Bon, regardez. Ouh, l'enfoiré. Ouh, l'enfoiré, j'ai déjà attrapé un gros. Ah putain, le bâtard. Ah là là, il a bouffé, putain, il a bouffé mon truc. Attendez, on va en reposer un. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été à la pêche, franchement. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur mon petit bateau de fortune. Et bienvenue dans Catch and Release, un jeu de pêche, comme vous l'aurez compris, sur Oculus Rift. Non, ça, c'est un mauvais lancer, vous voyez. Je vais vous montrer comment qu'on fait un bon lancer. Attendez, bougez pas, on va faire un beau lancer. Voilà, oh putain, mon vieux. Ah, j'ai cru qu'il allait partir dans les rochers. Bon, bah ça, c'est un beau lancer. Voilà. Donc, on aura bien sûr des petites missions, bien entendu. Aujourd'hui, on est posé, c'est tranquille, c'est chill. Commençons par les bases. Lancez votre ligne de pêche. C'est fait. Entraînez-vous et attrapez un poisson. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Alors, regardez. C'est un truc de fou parce qu'on peut même allumer la musique. Voilà, faut juste trouver quelque chose qui capte. Non, l'autre a été mieux. Voilà. What? Voilà. Ah, celle-là, elle est bien. On peut monter le volume. Voilà, on peut baisser tranquillement. Et puis c'est pas mal, quoi. Voilà. Bon, par contre, tu vas te taire, mon vieux. Tu vas te taire. Voilà. Allez, c'est bon, c'est fini. Lâche-moi. Oh, ça a mordu, j'avais même pas fait gaffe. Ah, oh, l'enfoiré. Ah bah ouais, la ligne, elle est tout au fond, mon vieux. J'ai fait un de ces lancers. Ah, ah, j'ai cassé. J'aurais pas dû batailler comme ça. Écoutez, c'est pas grave. On va remettre un petit appât au bout de mon hameçon. Voilà. J'adore les jeux de pêche. Franchement, c'est tellement détente. Je déteste aller à la pêche. Mon Dieu, qu'est-ce que je me fais chier quand j'y vais. Mais par contre, les jeux de pêche, j'adore ça. C'est un truc de fou, franchement. Et en plus, il est trop bien fait, ce jeu. Regardez. Alors, bien sûr, plus tard, on pourra faire une petite pause sandwich. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop faim. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cuillère, phare, un leurre. Ah, d'accord. On va pouvoir acheter des trucs. Ok. Alors, bien sûr, ce qui est fort appréciable, c'est que regardez. Oh putain, ça a mordu là-bas. On peut faire des ricochets. On peut faire des... D'accord, loupé. On peut faire des petits ricochets comme... Encore loupé. On peut faire des petits ricochets... Bon, bah, on peut faire des petits ricochets des fois quand on y arrive. Attendez, regardez, regardez comment que ça a mordu. Ok, faut y aller doucement. J'ai pas envie de casser la ligne, maintenez ce bouton pour recentrer. On va y aller doucement. Oh putain, il a pété la ligne, quoi. Mais c'est pas vrai! Enfoiré! On va poser la canne à pêche ici et on va avancer un petit peu à la rame. Alors ça, par contre, c'est vraiment un petit défaut. C'est super dommage. C'est qu'il n'y a pas de moteur sur le bateau. Alors peut-être qu'après, il y a moyen d'en acheter un ou quoi. C'est totalement possible. Hein. C'est même fort sûr, j'ai envie de dire. Voilà, mais en attendant, faut ramer, mon vieux. Le poisson, ça se mérite. Ouh, putain, attends. Lâche ça, mon vieux. Ça a mordu, là. Voilà. On va remonter ça tout doucement. Oh oui, 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 c'est un beau. On va batailler. Ah putain, la ligne, elle va casser. Ah, la ligne, elle a cassé. Bon, écoutez, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'a rien attrapé. Voilà, on va laisser mordre tranquille. Regardez, il y a des petits poissons et tout, ça nage. Hein. Ce serait bien au moins que j'en attrape un petit, quoi. Alors attendez, qu'est-ce que ça dit? Entraînez-vous à attraper un poisson. Bah oui, j'en ai pas encore attrapé un, mon vieux. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on peut... Attendez, peut-être que... Déjà, voilà. Peut-être qu'il aime bien les sandwichs. Il tombe au fond de l'eau, hein. Regardez, 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 ça va mordre. Ça va mordre, ça va mordre. Allez, dès que ça mord, je le fais. Regardez. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Où le gros, là? Où le gros? Ah, putain. Regardez, je pense qu'il va mordre, le gros, là. Ouais. Il a mordu. Il a mordu. Ah putain, il a cassé la ligne. On va tenter de se faire une petite partie de pêche par là-bas. Voilà. Allez, vas-y. Et puis on va avancer un peu. On va tourner. On va tenter d'aller un petit peu vers la cascade là-bas. Voilà. Ça a mordu? Ah, ça a mordu déjà, putain. Bien, regardez ça. Oh, c'est un petit. On devrait pas peiner à le choper, celui-là. Ah, quoi qu'un petit, un petit. Oh, yes! Regardez. Si, si, c'était un petit. Yes! Viens ici, mon joli. Viens voir là. Regardez-moi ça. On va le mettre dans la glacière. Et ben voilà,
1,65$ qu'on vient de gagner. En tout cas, les paysages, ils sont vachement bien faits, quoi. Le jeu, il est super beau, c'est un truc de fou. Voilà, on est pas mal par ici. Ouh, mais attendez, c'est que ça mord là-bas. Oh l'enfoiré, putain, il a cassé ma ligne. Est-ce qu'il y a moyen? Attendez, je veux voir un truc. J'ai envie de voir un truc. Voilà, déjà, on va manger un petit bout. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit sandwich en tant qu'appât? Je pense, hein, ça doit être possible, non? Ouais, non, même pas. Merde. Bon, c'est pas grave, ce sera pour le 4h. Quoique, tenez mes enfants. Voilà. Bon, on va se remettre un petit appât tranquille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui vont à la pêche ou qui sont fanas de pêche ou quoi. Moi, j'aime bien, franchement, ça détend sur l'Oculus Rift. Alors, qu'est-ce que ça dit, l'émission? Eh, hey, yes, gagnez de l'argent et mettez le poisson dans la glacière. Ok, ça c'est fait. Argent reçu, 15$. Gagnez plus d'argent, attrapez un autre poisson. Soyez un bon samaritain, relâchez le poisson cette fois. Achetez la balance à la boutique. Les jeunes poissons vous rapporteront davantage d'argent. Ok, d'accord. Donc là, faut qu'on chope un poisson et faut qu'on le relâche, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la radio. C'est franchement pas terrible, quoi. Voilà, peut-être que la radio, ça attire les poissons. Putain, mais elle est revenue, c'est quoi ce délire? Il est hanté ce jeu, c'est pas possible. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça par contre, double vision. Est-ce que ça marche si je le bois comme ça? Ah yes! Ah putain, double vision. Vas-y. D'accord. Alors, c'est quoi l'histoire de la double vision? Ne refaites pas ça, c'est dégueulasse. Vous voyez, j'ai perdu 25 centimes. Bah elle est revenue d'ailleurs. Après, est-ce qu'il y a un cycle jour et nuit? Franchement, je pourrais pas vous dire pour le coup. Combien il y a de maps ou quoi Je sais pas du tout. Eh bien écoutez, ça mord pas. On va se faire une petite pause casse-dalle en attendant. Voilà. Oh si. Oh attends. Attendez, attendez. Ça a mordu. Ah putain. Ah putain, il a pété ma ligne, l'enfoiré. Il a pété, pété, pété. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, il est... What? Merde. Il est là-bas, l'enfoiré. Merde, d'accord, je l'ai mangé en fait. C'était pas voulu. Putain, mon vieux, c'est chiant et long la pêche quand ça mord pas, quoi. Oh, t'es là, mon vieux, tu fais rien et puis tu te fais chier, quoi. Ah oui, t'es en harmonie totale avec la nature, ah bah ça, oui. Allez, mon vieux, mort là. Après, c'est de la patience. C'est beaucoup de patience. On va peut-être se déplacer vers la cascade un petit peu. Rien que ça, c'est une épreuve. Tiens, d'ailleurs, le temps qu'on aille à la cascade, ça me fait penser à une petite blague. Quelle est la différence entre une boîte de conserve et un aquarium? Eh bien, dans la boîte de conserve, les petits poissons verts. Et dans l'aquarium, les petits poissons rouges. Allez, mon vieux, nage. Enfin, rame, je veux dire. Oh, ça a mordu, non? Vas-y, viens ici. Putain, mon vieux, laisse tomber. J'ai l'impression que ma canne à pêche, elle fait 10 mètres, quoi. Ouais. Oh, c'est quoi, ça? J'ai pêché une bague? C'était peut-être ça, ce bruit que ça a fait, non? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je pense pas, mais bon... Ah si, putain, j'ai gagné 28 balles. Ah ouais, excellent, j'ai 45 balles maintenant. Voilà. Ah ouais, putain, mon vieux, quand tu rames bien... En fait, ce qu'il faut, c'est bien ramer pour bien avancer, quoi, tu vois. Ça manque un petit moteur au bateau quand même, histoire de se déplacer, tu vois. Petite toile de tente et tout. Franchement, c'est un des plus beaux jeux de pêche auxquels j'ai joué, quoi. C'est pas le plus réaliste. Le plus réaliste, je trouve que c'était... je sais plus comment que ça s'appelait, Fishing Simulator sur Oculus Rift, pareil. N'hésitez pas à boire un petit coup en attendant. Toujours bien de se déshydrater pendant la pêche. Ah bah c'est pas de l'accro, mais ça fait l'affaire. Oh! Oh! J'en ai un! Ouh, ça a mordu! Ça a mordu! Je l'ai eu? Yes! Ah bah voilà! Donc la mission, c'était le prendre et le relâcher à l'eau. Putain mon vieux, il faut être patient, hein. C'est un truc de fou, hein. Voilà, voilà, yes. Achetez la balance à la boutique. Les jeunes poissons vous rapporteront davantage d'argent. Ok, donc la boutique... Ça doit être ça. Fermé, fermé, fermé. Attendez, peut-être que je vais trouver la boutique là-dedans. Photo. Ah, d'accord. On va peut-être pouvoir prendre des photos. Utilisez ce bouton pour tourner les pages. Quel bouton? Ah, d'accord. Fermé, fermé, fermé. Ah, ok. On peut acheter des sandwichs, de la boisson, chapeau de pêche. Non. On peut acheter des nouvelles radios, nouvelles cannes à pêche, appareil photo. Eh bien, écoutez, il faut acheter la balance. Hein. Donc, voilà. Ah, putain, mais c'est excellent. Combien la balance? D'accord, on va mettre la balance. Ce délire. Par exemple, le livre. D'accord, le livre il pèse 810 grammes. Des pierres. Ah, excellent, je vais racheter des pierres. On va acheter des sandwichs. On va acheter un petit chapeau de pêche. Yes! Putain, trop fort! Excellent, quoi! Attendez, ça mord là. Ça y est, je commence à avoir l'âme d'un pêcheur là. Je l'ai eu ou pas? Ah ouais, je l'ai eu, mon gars. Ah putain, viens là.
Ouais, 0,5 grammes hein, dans la glacière. Voilà, on a gagné un bal 65. Yes! Yes! Excellent! Excellent, excellent, excellent! Putain, merde, je peux pas aller là-bas. Après, ça peut aller relativement vite de se faire de l'argent, parce que vous voyez, tout à l'heure, par exemple, j'ai pêché une bague. Alors, je sais pas où est-ce que je l'ai eu, mais en tout cas, ça m'a rapporté pas mal d'argent. Les leurres spéciaux attireront des poissons spécifiques. Lorsqu'un poisson mort, gardez une tension de ligne basse, où celle-ci se rompra. Ah, d'accord! Ok, puis maintenez le bouton d'interaction enfoncé pour donner plus de lignes. Alors, attendez, je vais voir maintenant ce qu'il me dit au niveau de la mission. Récompense, déverrouiller appât au fromage. Obtenez votre premier appât, achetez l'appât au fromage à la boutique. Lisez les informations sur le... Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'il faut fatiguer le poisson. Bah, comme à la pêche, quoi. Hein. D'accord. Mais ça commence à devenir beaucoup plus intéressant quand tu comprends, quoi. Attendez, je vais y laisser du mou. Je vais y laisser du mou. On va tenter de remonter un peu. On laisse du mou. Voilà, regardez, regardez. Il fatigue, hein. Yes. Ah ouais. Excellent. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, mon premier gros poisson. Viens ici, mon gars. Combien que tu pèses? Ouais, quand même, hein, 940 grammes. Hein. Alors, combien que ça nous rapporte? 3 balles 76, c'est tout, mon gars. Je suis pas arrivé au bout de mes peines. Hein. Est-ce qu'on peut acheter l'appât au fromage, là? Ah, yes, il a été déverrouillé. Voilà, yes, c'est bon. Ouais, ça doit être pour des poissons spécifiques, ça. Hein. Ça peut peut-être attirer les gros, je sais pas. Je pense qu'on va bouger de là. Voilà, on va tourner. Franchement, ça commence à être super plaisant quand t'as compris le truc et tout. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Oh, putain. Oh ah, mon vieux, j'ai cru qu'il était parti sur la montagne. Combien que ça pèse un petit appât comme ça, là? Ouais, putain, tu te fais vraiment chier à la pêche, mon vieux. Tu sais plus quoi faire à des moments. 48 grammes. Ah, bah, mon vieux, c'est ça, hein. Ouf. Ça y est, tiens. Ça y est. Voilà, on va laisser du mou un petit peu. Laisse du mou, laisse du mou, laisse du mou, laisse du mou. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fatigue ma belle, c'est bien. Hop, 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 hop. Du mou, du mou, du mou. Du mou. Ouais, yes. Je l'ai ou quoi là? Yes. Putain, c'est quoi ça? Ah, il est balèze quand même, hein. C'est quoi ce machin? Bon, il faut au moins... Il fait plus d'un kilo. Ah, bah oui qu'il fait plus d'un kilo. Un kilo 878. Alors, combien que tu me rapportes? Dis-moi. Ouais, ça va, 6 balles 63, c'est cool. Bon, écoutez les gens, on va se laisser là. En tout cas, le jeu, il est vraiment super cool. J'espère que vous avez kiffé. Je vais vous dire au revoir quand même en enlevant le chapeau. C'est très mal poli. Voilà, on va le... Ah, yes, je voulais voir s'il revenait quand même, hein. Ah bah non, il est reparti. Bon, bah c'est pas grave, faudra en racheter un. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien, si c'est le cas, vous faites péter un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, les pêcheurs, les pêcheuses. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis ciao tout le monde, bye bye. Allez, à plus. Voilà, encore une petite carpe et puis ce sera la fin.